développement du tourisme de Saint-Louis et de sa région est un projet extrêmement important dans la nouvelle dynamique et de la nouvelle de la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall, pour placer le tourisme comme étant un secteur phare dans le développement économique et social du Sénégal. Le président de la République, pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, a lancé une saison touristique le 29 de ce mois, le 29 novembre à Sali. Nous avons aussi eu un séminaire gouvernemental de partage du plan Sénégal émergent. Et dans toute cette structure, dans toutes ces réunions, le tourisme est revenu comme étant une activité centrale dans notre économie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons installé le comité de pilotage et le comité technique du plan de développement touristique de Saint-Louis, qui est un plan, qui est un programme innovant, parce que intégrant en son sein différentes activités, au plan culturel, le patrimoine culturel, parce qu'une ville touristique est une ville de patrimoine, au plan de la gestion des ordures ménagères, une ville sale ne peut pas être une ville touristique. Au plan également de la pêche, des infrastructures de pêche et de désenclavement comme la route qui de l'hydrobase. Également au plan de renforcement de capacité en ce qui concerne le syndicat d'initiative. Et beaucoup d'autres aspects qui sont pris en charge également par ce programme extrêmement important sur financement de l'AFD à hauteur de plus de 16 milliards de francs CFA. La mise en œuvre de ce projet permettra à Saint-Louis de redemeurer encore une ville de destination touristique. Et c'est ça le but du jeu, c'est ça l'objet, faire en sorte que la destination Sénégal soit une très bonne destination et la destination de la zone touristique nord, particulièrement Saint-Louis et sa région, devienne une très bonne destination. Et ce projet y contribue de manière certaine.